So you can speak normally. Okay. Some listening before, just a dialogue. Yes, okay. Actually, this is an interview. Interview between a journalist and Marion Cotillard, and she's talking about his life, and you should find the date of all the things she has done in her life. Yes. Okay. And she's talking about his life and her life, and you should find out the date in which year he begins this cinema, in which year she plays the role of at Film Taxi, and you should find that the date. Oh, okay. We can listen now. Dossier 5, temps fort. Leçon 3, vie privée, vie publique. Activité 5 et 6. Clémence, s'il te plaît, tu me prépares une petite biographie de Marion Cotillard. C'est pour l'article. Tu peux noter? D'accord, je t'écoute. Alors, elle est née le 30 septembre 1975 à Paris. Pendant son enfance, elle a joué dans de nombreuses pièces de théâtre avec sa mère. 30 septembre 75, ok. Dis donc, sa carrière a commencé tôt? Oui. Et pendant son adolescence, elle a hésité entre la chanson et la comédie. Finalement, elle a choisi d'être actrice. Elle a fait ses débuts au cinéma en 1996. Ok, début au cinéma en 96, à 21 ans donc? Oui, et à l'âge de 23 ans, elle a commencé à être connue grâce à son rôle dans le film Taxi. Oui, ok. En 2004, le film Big Fish de Tim Burton a été le point de départ de sa carrière internationale. Oui. Ensuite, elle a continué à tourner en France et aux États-Unis. Je fais une petite recherche sur les films? Oui, les plus importants. En 2007, elle a joué le rôle de sa vie, Edith Piaf, dans le film La Môme. Je rappelle, l'année suivante, elle a obtenu l'Oscar et le César de la meilleure actrice pour ce rôle. Et là, elle est devenue célèbre dans le monde entier. D'accord. En 2010, son film avec Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs, a été un succès. Les Petits Mouchoirs, oui. Ok, c'est parti. Let's listen to again. Dossier 5, temps fort. Leçon 3, vie privée, vie publique. Activité 5 et 6. Clémence, s'il te plaît, tu me prépares une petite biographie de Marion Cotillard. C'est pour l'article. Tu peux noter? D'accord, je t'écoute. Alors, elle est née le 30 septembre 1975 à Paris. Pendant son enfance, elle a joué dans de nombreuses pièces de théâtre avec sa mère. 30 septembre 75, ok. Dis donc, sa carrière a commencé tôt? Oui. Et pendant son adolescence, elle a hésité entre la chanson et la comédie. Finalement, elle a choisi d'être actrice. Elle a fait ses débuts au cinéma en 1996. Ok, début au cinéma en 96, à 21 ans donc? Oui. Et à l'âge de 23 ans, elle a commencé à être connue grâce à son rôle dans le film Taxi. Oui, ok. En 2004, le film Big Fish de Tim Burton a été le point de départ de sa carrière internationale. Oui. Ensuite, elle a continué à tourner en France et aux États-Unis. Je fais une petite recherche sur les films? Oui, les plus importants. En 2007, elle a joué le rôle de sa vie, Edith Piaf, dans le film La Môme. Tu te rappelles? L'année suivante, elle a obtenu l'Oscar et le César de la meilleure actrice pour ce rôle. Et là, elle est devenue célèbre dans le monde entier. D'accord. En 2010, son film avec Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs, a été un succès. Les Petits Mouchoirs, oui. Ok, c'est parti. Ok. Can listen together. Okay. Vie publique. Yes. You can tell me some answer if you want. Okay, 1986 debut cinema. Not 86, but 96. Oh, yeah, okay, 96. Film Taxi, I did not understand. Is it 2000? Gumi? No. Okay. 2004, Big Fish? Yes.
2008, la mom. 2007, I think. Oh yeah, okay. And 2010, Les Petits Mouchoirs. 2007, Edith Piaf. 2008, Oscar. Oh, okay. Yeah, 2004, okay. The beginning of the career, international career, and the taxi role is 1898, I think. 1998. Yeah, 1998. Okay, and 2010 is the last one. Les Petits Mouchoirs. 2010. Yes. Yes. Okay. We can listen together. Activité 5 et 6. Clémence, s'il te plaît, tu me prépares une petite biographie de Marion Cotillard. So, he's talking about Clémence. What Clémence. He asked him? What he asked her to do? Once again, sorry. I mean, it's basically to know about her things, but yeah, so for an interview, for an article. Clémence, s'il te plaît, tu me prépares une petite biographie de Marion Cotillard. Tu me prépares une petite biographie de Marion Cotillard. Biographie, okay, oh, okay. A petite biographie of Marion Cotillard. Very good. C'est pour l'article. Tu peux noter? C'est pour l'article, for an article. Mm-hmm. Tu peux noter. Can you notice? Take some notes. Tu peux noter. Tu peux noter. Ok. D'accord, je t'écoute. D'accord, s'écoute. Yes, I will listen. Mm-hmm. Alors, elle est née le 30 septembre 1975 à Elle est née. The verb is eight. Yeah. Elle okay, Elle est née. She was born on 3rd September 1975. Yes, very good. Paris. Pendant Paris, son enfance, elle a Paris. Joué dans de nombreuses pièces de théâtre avec. Septembre 1975 à Paris. Pendant son enfance, elle a joué dans de nombreuses pièces de théâtre. Pendant son enfance, childhood, during the childhood. Bon enfance, ok. During the childhood. 15 à Paris. She was in theater. Pendant son enfance, elle a joué dans de nombreuses pièces de théâtre. Nombreuses pièces de théâtre. Numerous. So that has mean many. Many pieces of theater. Yes. Pièces, so, okay. Piece. Yes, okay. Mm-hmm. Avec sa mère. 30 septembre 75, ok. Dis donc, sa carrière a commencé tôt. 3 septembre 1975, how to say? Say 19 is this number? 1975. Yeah. Mm-hmm. Et donc, sa carrière a commencé tôt? Sa carrière a commencé tôt? Mm-hmm. Sa carrière a commencé tôt? Career. Oh, ok. Ça a commencé carrière comme c'est tout. Career started. Yes. C'est tout is what? It's not c'est tout, but only tout. Oh, tout. What does mean tout? You. No, tout is early. Oh, two. Okay. Yeah, two early. So, and she started the career early. Very good. Oui. Et pendant son adolescence.
Et pone adolescence, adolescence, PME adolescence, starting of the adolescence. En pantant, during. Oh, en pantant, ok, en pantant adolescence. Just pantant. Pantant adolescence, l'adolescence. Pantant son adolescence, just during her teenager. Ok. Panto so adolescence. Elle a hésité entre la chanson et la comédie. Elle a hésité, hesitate. Elle est hésité. Hésité, c'est hesitate. Hesitate. Oh. Ok, elle est hésité. Comédie. Et la chanson. She hesitated other. Not other. La comédie entre c'est between. Oh, entre, ok. She hesitated between entre comedy. Et la musique. Et la musique. Musique, la chanson. So she hesitated. I didn't understand the translation. She was hesitated. Okay. That's a hesitate. That is the same thing in English. Okay, she hesitated to do comedy and music. Yeah, hesitate or... hesitate. There are no other... Okay. Way. Okay. Between comedy and... music. Chanson is a song. That means music. Very good. Finalement, elle a choisi d'être actrice. Elle a fait ses débuts au cinéma... Elle a fait best actress. Elle a choisi d'être actrice. Elle a choisi. That means choisi. Choix. Choisir, choisi, choix. Choisi. She was chosen the best actress. Yes. Elle a choisi. Elle a choisi d'être actrice. Et la comédie. Finalement, elle a choisi d'être actrice. Finalement, elle a choisi d'être actrice. Finally, she chose to be actress. Oh, d'être actrice. Elle a fait ses débuts au cinéma. Elle a ses débuts au cinéma. Elle a choisi ses débuts au cinéma. Elle a fait ses débuts, elle a fait... ses débuts au cinéma. Elle a fait Début, beginning. Début, ok. Il a aussi, she did the beginning of cinema. Yes, that means she began... playing films, began his career in cinema. En 1996. 1996. Ok. 1986. Yeah. Ok, début au cinéma en 96, à 21 ans donc. Au début au cinéma, 1996, and then next sentence. Début au cinéma en 96, à 21 ans donc. Avant la donc, before. Not before, a. At 21 ans, donc it's so. So, à 21 ans. 21 ans, which years old? 29 years. Not 9, but 21 ans. Okay, 21. It's 21 years old. So, at 21 years old. 21 years old, okay. Oui, et à l'âge de 23 ans. Il vit et
Et à l'âge de 23 ans. Et l'âge, she had age 21. 23 ans. 23 ans. Mm-hmm. 23 ans. 22 years. 23 years old. 23 ans. Okay, 23 ans. Okay, 23 years old. So at the years of 23 years old, at the age of 23 years old. Mm-hmm. Elle a commencé à être connue grâce à son rôle dans le. Elle a commencé à être connue. Être connue. What does mean connue? Connue. Célèbre. What does mean célèbre? Celebrity. So, popular. Popularity. Famous. Famous. Elle a commencé d'être connue. What does mean? Elle a commencé d'être connue. Elle a commencé toto connue. She started becoming famous. Yes. Okay. Film Taxi. Oui, ok. Le film Taxi. À 21 ans, donc. Oui. Et à l'âge de 23 ans, elle a commencé à être connue grâce à son rôle dans le film Taxi. Grâce à. Grâce à, means thanks to. Oh, grâce à. Grâce à, thanks to son rôle dans le film Taxi. Okay, thanks to son rôle, her role. Mm-hmm. Dans le film Taxi. Toi, la film. Dans le film. Dans le film Taxi. Dans le film. Dans le film. In the film? Mm-hmm. Toys. Yes, that's right. Okay, in a film, taxi, le taxi. She is, because this year she was 23 years old. Mm-hmm. So, which year? The beginning of his career in cinema, she was 21 years old. And the role in the film of Taxi, she was 23 years old. So, which year? Okay. Kantevya Dasvita. Yes, that one did it. Very good. Can continue. Oui, ok. En 2004, le film Big Fish de Tim Burton. En 2004, 2004. Very good. Sorry, I missed that one. She acted in Big Fish, or she debuted the career in international. Okay. Yes. Okay, we can continue. Okay, she at on 2004 and as the film of Big Fish, and he said also the director of the film. En 2004, le film Big Fish de Tim Burton a été le point de départ de sa carrière internationale. Et le point de départ. How to say that? Le point de départ. Point is point. Point de départ. Part of departure. Point of departure. Yes, point of departure. Le point de départ. Big Fish de Tim Burton a été le point de départ de sa carrière internationale. Sa carrière. Mm-hmm. Sa carrière. Sa carrière. Her career. De sa carrière. Mm-hmm. Sa carrière. Internationale. Internationale. Her career at international. His international career. Of international career. Okay. Mm-hmm. Oui. Ensuite, elle a continué à tourner en France.
Ensuite, carrière internationale. Carrière internationale. Oui. Ensuite, elle a continué à tourner en. Ensuite, elle a continué. Elle a continué. What does mean? Elle a continué. She has continued. She continued. She yes. continued. Mm-hmm. Sa carrière a continué. Non, elle a continué à tourner en France. Tourner en France. Return to France. Does not return, actually tournée for actress for the cinema industry means that she makes films, actually. She makes films, tournée, so, okay. Yes, that means that she continued to make films in France. Oh, continued to make films in France, okay. En France et aux États-Unis. Je fais une petite... And which are the cities? Oh, sorry, continue to make films mm-hmm. in France. Carrière internationale. Oui. Ensuite, elle a continué à tourner en France et aux États-Unis. Ensuite, Denouni. Mm-hmm. France, another country. Not only in France, but another country, very famous country. France. Le film Big Fish France. De Tim Burton a été le point de départ de sa carrière internationale. Oui. Ensuite, elle a continué à tourner en France et aux États-Unis. Oh, États-Unis. In États-Unis, is America. In France and America. Yes, very good. Oh. Je fais une petite recherche sur les films. Je fais mm-hmm. Petite. Mm-hmm. Une petite. États-Unis. Je fais une petite recherche. J'ai fait ou peut-être en chat. Research. Research, okay. So, I make a little research. Okay. Je fais une petite recherche sur les films. Okay, I make a little research on her film. About her film. Yes. Oui, les plus importants. Oui, les plus importants. Plus importants. What does mean important? It's important. It's pizza important. I mean, important. It's... Important is important, very good. Les plus importants means the most important. Oh, le plus important. It's more important, yeah. Not more important, but the most important. The most important. Okay, the most important. Okay. En 2007, elle a joué le rôle de sa vie. Et... En 2007, at 2007. Mm-hmm. Then. I think all the fit. En 2007. Elle a joué le rôle de sa vie. La rôle de sa vie. Elle a joué le rôle. Mm-hmm. The role. The role of sa vie. What does mean sa vie? Vie, what does mean? The role of the life. Yes, the role of her life. The role of her life. Edith Piaf dans le film La Môme. Edith Piaf. Dans le film La Môme. Very good. Tu te rappelles, l'année suivante, elle a obtenu l'Oscar. Tu te rappelles? Tu te rappelles? Tu te rappelles? Tu remind?
L'année suivante, elle a obtenu l'Oscar et le... Oscar, I think she got the Oscar, but I... Tu te rappelles, l'année suivante, elle... L'année suivante. L'année suivante. L'année suivante. L'année suivante. L'année suivante. Following Oscar. Following year. Following year, ok. Yes, the following year. L'année suivante. Very good. Film La Môme. Tu te rappelles, l'année suivante, elle a obtenu l'Oscar et le... Obtenu l'année suivante. Obtenu Oscar pour le film. Film name. L'année suivante, elle a obtenu l'Oscar. César de la meilleure actrice pour ce rôle. Ok. And César de meilleure actrice. Yes. The best actress. Et là, elle est devenue célèbre dans le monde entier. Là, elle est devenue célèbre dans le monde entier. Et devenue célèbre. Devenue. Mm-hmm. Become and become celebrity. I mean, popular or celebrity. Famous, not popular. Okay, famous. Famous. Okay. Dans famous. Le monde entier. Dans le monde. What does mean dans le monde? Dans le monde, in the world. Yeah, entier, in the whole world. Entier, okay, in the whole world. D'accord. En 2010, son film avec Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs. 2010. Guillaume Canet's movie Les Petits Mouchoirs. D'accord. En 2010, son film avec Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs. So, en 2010, in the year of 2010, and le film du Petit Mouchoir avec Guillaume. Ah, ok, yeah. Avec Guillaume Canet. Mm-hmm. So with the name of actor. A été un succès. Guillaume Canet. Idea succès. Mm-hmm. Was a success. Les petits mouchoirs, okay, oui. Success. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Just means, ok, it's done. It's done. And I can leave now. Oh, c'est parti, I can leave. Ok. Ok, you can... Yeah, you can just read that and I can correct your pronunciation. Clémence, s'il te plaît, tu me prépares une petite biographie de Mario Cotillard. Cotillard. And this Cotillard. One is prépare. You should stress on this one. Prépare. Very good. Prépare une petite biographie de Mario Cotillard. C'est pour l'article. Tu peux noter. D'accord. Je t'écoute. Mm-hmm. Alors, elle est née le... Yes, this one you should group. Elle est née. And break the date. Okay. Alors, elle est née le 30 septembre 1975. À Paris, pendant son enfance, elle est âgée. How to pronounce that? Ponta. 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 Mm-hmm. Ponta. Ponta son enfance.
It's liaison, son of France, right? Son of France. Liaison, right? Very good. Okay. Elle a joué. If you if you pronounce elle, that means she is. But elle a. Yeah, it's not. Yes, yeah, it's not the problem. Elle a. Okay. Elle a joué. Oh, sorry. Elle a joué dans de nombreuses pièces. De théâtre avec sa mère. Very good. Tahant septembre, Kateva, soixante quinze. Good. Okay. This donc. Donc. This donc. Et donc. Without S. Donc. Okay. This I. Okay. Dis donc, sa carrière a commencé tôt. Very good. Dis donc means it said. I'll translate. Okay. Dis donc, translate that in English. Say then. Well. Oh, say then. Okay. Say then or well. Say then, okay, well, okay, say then, okay. Vi e ponta son adolescence. Ela, esté ante la chanson e la comédie. Finalement, ela choisi d'être actrice. Ela fait ses débuts au cinéma en 1996. Ok, début au cinéma en 96. Vingt et un ans. Donc c'est. So. Ok. Vingt et un so. Ok. Vie et à l'âge de vingt et un trois. Elle a commencé à être connue grâce à is grace. Thanks to. Okay. Sorry. Okay. Grâce à son rôle dans le film Taxi en 2004, le film Big Fish de Tim Burton. A été le point de départ de sa carrière internationale.
International. Je sais, and. International. Good. V, okay. Ensuite. After that, right? Ensuite is after that, right? Or during? Ensuite meaning? After that. Okay, after that. Elle a continué à tourner en France et en Septuagint. En Septuagint. En Septuagint. J'ai fait une petite recherche sur le film. Une petite recherche. Ok. J'ai fait une petite recherche sur le film. Très bien. Oui, les plus importantes. Les plus importantes. La vie les plus importantes. Okay. S'importa. Okay. En 2007, 1000, elle a. 2007. 2007, sorry. 2000, ok. 2007, elle a joué le rôle de sa vie. Edith Piaf dans le film La Môme. Very good. Tout te rappelle. L'année suivante, elle a obtenu l'Oscar et le César de la meilleure actrice pour ce rôle. Meilleur is marvelous. What is it? Good actress. Okay. Better. The best. Better. Best. Okay. Bon, meilleur, le meilleur. The best. Good, better, best. Okay. Le meilleur. Okay. La meilleure actrice pour ce rôle. Elle est devenue célèbre dans le monde entier. D'accord. En 2010, son film avec Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs, a été un succès. Les petits mouchoirs, oui, ok, c'est parti. Les petits mouchoirs, oui, ok, c'est parti. I'm done. Avoir is A-E, which had. Okay, A-E. A-E. Yes, A-U. A-E.
Okay. So what does how translate this one? Important. Important, plus important, le plus important. Important, plus important, la plus importante. Without la plus importante. Without the. La plus importante. Mm-hmm. So what does it mean? The translation. It's more important. And then? It's most important. So important, more important, the most important. Oh, okay. Important, plus importa, important, plus important, plus important. If it's masculine, oh, okay. If it's plural, no, if it's féminin, la plus importante. Mm-hmm. And if it's plural, les plus importants. Okay? Yes, same yes. thing. Same thing here. Le meilleur, la meilleure. Okay. Les meilleurs. Meilleurs. Bon, okay. Meilleur, la meilleure, bon, mais le meilleur, important, plus important, le plus important. Mm, very good. Okay, let's do some reading. Okay, it's about famous people, and this is a very famous singer in France, and he's dead, and here is his son. You can see that both are celebrity, son and father, or mother with his daughter. So, and the topic of this text is to describe the physique of one person. Mm-hmm. Describe the physique of one person. Mm-hmm. Mm-hmm. So c'est le fils de Johnny Helda. This is the son of Johnny Helda. Et de Sylvie Vada. This is the son of Johnny Helda and Sylvie Vada. Il est chanteur comme son père et sa mère. He's a singer as his son, as his father and his mother. Yeah, like his father like and his, mother. Okay, like his father and mother. His eyes are green. The pronunciation is yeux. Il a les yeux. Dieu, yeux. Il a les yeux. Not a yeux. 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 It's okay. And with yeux. Yeux. Les dieux. Les yeux. OK. Les yeux. OK, les yeux. Les yeux. Les yeux. Mm-hmm. It is blanc de son père. Cheveux blanc de son père. Cheveux blanc. Hair, yes. Hair blanc. Blanc is gold, but I don't know how to say that. Okay, golden hair like his mother. Like yes, golden hair, like his father. Mm-hmm. He is like the same tie. Not ease. It's on, so he have the il, same il. Okay, they father and son, I think. Mm-hmm. Have a same they means size. Oh, okay, they same size. Okay, same size.
Ils sont grands tous les deux. They are big. They're big same. Tous les deux means both. They're both big. Big, we can say big. Grand means tall. They're both very tall. They're both tall. Okay. Tous les deux means both. Okay. Tous les deux. Tous les deux is both, and you can see that when we describe a person, we can describe the color of their hair, and we can also describe the color of their eyes. We can also describe their size. Big, not big, tall or short. When we want to say somebody is very high, very tall, il est grand. I want to say the contrary. Il est petit. Il est petit. And for the color of the hair, we can say il est blond. Il est petit. Il est blond. Les cheveux blonds. Just we can only say il est blond. That means that he has to. Has a color as golden hair. It can signify Kate. Okay. Elle est blonde, that means it's a girl okay, with a golden hair. Okay. Blonde. Elle est blonde. Après, when we want to say one person is a little bit fat, and we don't want to criticize this person, you can say il est rond. Elle est ronde. And this is polite. If you want to. Elle not est ronde. Il est gros, means somebody is very fat. Elle est grosse. Okay, which is polite? Ronde is polite? Ronde is polite? Or gros? Ronde is polite. Gros. Okay, gros is less polite. Yes, but it's not impolite neither. And we can it's also not polite. Say, okay. It's less polite, but it we can say that, but it's not very criticizing. Okay. And we want to say one person is very thin. Il est mince. Mince. Thin. But if somebody is too thin, we can say that il est maigre. Mince. Elle est maigre. Yeah, this is too thin. This is not good health, bad health. Elle est maigre. Okay. So there's still three texts you can read that and find out how we describe the person. Elle est actress, okay. Shiaha Mastroianni. Mastroianni. Oh, Mastroianni. Mastroianni. Mastoani. She's an actress like his mother and her father. C'est la fille de Catherine. Catherine Deneuve Catherine Deneuve et de Marcelo Mastroianni. She is the daughter of Catherine Deneuve and Marcelo
Mastwani. Elle est mince. Elle est et a la la liuha d'astingu. De sa mère. She's la liuha d'astingu. Like his mother, like his like her mother. Aliyu dastingo. Aliyu appearance. His appearance. Oh, distinguished. Okay, she is thin, and appearance different from her mother, right? Okay, distinguished from him. Lahu distinguu, distinguue de la mère. Mais physiquement, elle ressemble plus à son père. But in the physical appearance, she resembles more her more her father. Than more than son her père. Father. More than her father. Son père. Sa mère. Elle est, elle a, elle a, elle a les mêmes yeux, même yeux messieurs, Dieu, même seigneurs, je dois liaison, je dois liaison, Dieu. So, elle a les messieurs. Messieurs. Même Dieu. Même sieur. Yeah, même Dieu. Même Dieu. Même si. Mm-hmm. Même Dieu. Même si. Même si. Ok. Même si. Même si. Même si Maho est elle est bonne. She's having the same eyes. She's having the same eyes. Brown eyes. Maho. Brown eyes. Brown eyes. Okay, she is having brown eyes and bonne. 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 Brown. The brown color of her hair, actually. She's talking about his hair, brown colored. You can also describe the color of the skin, brown. He's brown. Brown She's color. Brown. Okay, mm-hmm. Elbon. Okay, elbon. But this pronunciation is not right. Distingué. Distingué. Okay. Distinguished. Distingué. Distingué. Mm-hmm. Okay. Distingué. Il a bon. Il a. Last one. No, last one is bon. Buhunna. How to say she's brown? Buhunna, right? Buhunna. Rouge. Rouge. Buhunna. Buhunna. How to say that in English? Rouge. Huge. Huge, okay. Huge. Brune. Buhunna. Buhunna. Very good. Brune. Buhunna, okay. Buhunna. The first text, and there are still two texts. You read the two just texts and they translate that topic. Okay, for today. C'est le, okay. Thomas Dutton. Dutton. Mm-hmm. C'est le fils de Jacques. Fils. Jacques. Okay, sorry. C'est le fils de Jack du Tohank et de Duton. Duton et de Asa. Jack Duton and and the François Hardy and of François Hardy
Il est chanteur comme son père et sa mère. He's a singer like his mother and father. Il a le regarde. Regarde, oui, deux. Ok. Il a le regard. Regard. Watch, right? Le regard, yes. He have a... You can say glance. Le regard. Can be glance. And he regard. Have a glance. Mm-hmm. He have a glance. Ella suhiyeha. Suhiyeha. Le suhiyeha. De sopeha. He has a glance. And? Hello. Sorry, I don't know what's the meaning. Sourire. Smile. Oh, sorry. Okay. He has a glance and a smile like his father. That's very good. Of his father. Not like, but of his father. Okay, of his father. So he has a smile. Okay. The glance and the smile like his father. Il se ressemble. 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 Il se ressemble comme de goutte d'eau. He ressemble like two. Two drop of water. Yes. Oh God. Okay. Tule de en beaucoup de charme. Both of them have same beauty. Charming. The charm is good. Both of them are charming. Okay. Both of them. Both of charming. Them are more beautiful. More beaucoup de means. A lot of charming. A lot of charming, okay. Tulada. Mm-hmm. Tulada, okay. Okay, both of them. Both of them are charming. Are charming, have. Have charming. Okay, both of them have. A lot of charming. A lot of charming, okay. Pochal. Charlotte Gainsbourg, c'est une actrice. C'est une actrice franco-britannique. This is the actress. This is an actress franco-britannique. C'est la fille de Gainsbourg et de Jean Barca. She's the daughter of Serge Gainsbourg and de Jean Barca. Elle chante aussi comme ses deux parents. She also sing. Like her parents. Mansa e Ella. Huh? It's okay. Just change this one. Don't elle chante, but elle chante. Elle chante, oh sorry. Elle chante. Okay. Elle chante aussi. Comme sa mère, elle est mansa e Ella. L'air. Okay. L'air fragile. Like her mother, she's thin and lie fragile. L'air means looks l'air like. Fragile. Looks like small. Fragile. Lie
Look like fajila means little weak. Weak, okay, okay. Fajila is weak. And look weak. Tuladu on leva. Both of them have the hair as shatan. Mm-hmm. Mm. Shata is curly. It's brown as well. Brown, okay. Shata is brown. Buhun is also brown, right? For buhan, buhun is more, we describe more the skin of the person. Okay, yeah. Okay. And for the hair, we use shata. Shata, okay. Le shiv shata. Charlo a le shiv long a head. Charlotte has a hair long and rigid. Raises rigid. Okay. Long and rigid hair. Long and rigid hair. Long hair. Ella lay timid. She look timid. Yes. Okay. Okay. Let's end the update today for this one. And I hope you have a nice trip. Bon voyage. Yes. Yes, bon voyage. Okay, we'll stop the recording. Okay.